Hello à tous, ça y est, je suis enfin arrivée chez moi, pas chez nous. Retour de course à Malik Dépôt, donc je suis en débardeur culotte, je viens me prendre une douche. Donc, voilà, je suis en tenue détente. Donc, on a trouvé ceci pour mon ami. Des pendentifs. Dreamcatcher, à ta prêve. Parce que c'était mon anniversaire début août, et comme elle m'avait acheté quelque chose à mon anniversaire, qui était début janvier, donc j'ai enfin trouvé un petit cadeau. Voilà. Et ça fait tout à fait son job. Et je suis sûre qu'elle va aimer ce genre de choses. Voilà. Donc, un bon petit cadeau. Je vous dirai les prix. Je vous dirai les prix maintenant. Alors. $50, c'est vraiment pas cher. La mère a fait un petit peu de mauvais contact. J'ai trouvé que c'est comme mire. Vu que c'est bavard, ça y est, je fais attention à l'électricité. Ensuite, j'ai trouvé aussi pour mettre dans le diffuseur électrique. Vu que le produit de chez Ziman, j'ai même pris de la marque. Hein. Le. Herbic, si je ne me trompe pas. Ou Play, je ne sais plus exactement. J'ai pris, mais en fait, le petit truc qui tourne et qui appuie sur les produits ne vend pas. Donc du coup, je vais prendre la marque. Même si c'était un défaut de qualité, hein, de ce que j'ai pu comprendre, Ziman. Donc je suis obligée de mettre à la main. C'est pas le but, mais bon. Je remets les trucs, on verra bien. Voilà. La main, ça marche. On a pris un tapis de bain. Trop beau pour le graphique. C'est pas stylé. Ouais, tu verras, il est trop beau. Parce que dans la douche, j'ai l'impression que j'ai peur de glisser. Donc j'en ai un à Sarsolve que je vais reprendre prochainement. J'ai eu mes sous du Pop Zaco. J'ai pu voir avec elle d'épargne et donc ça c'est cool, donc ça j'ai mis de côté et je pourrai rembourser mes proches. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, bah, je dis ça parce que j'ai encore quelques petits trucs à débarrasser dans mon studio. Je vais nettoyer et surtout je vais donner à beaucoup de peinture pour faire le nécessaire. Et justement, et tout à l'heure j'ai tilté, il me reste encore un tapis comme ça dans ma douche, dans mon studio à Sarsolve. Du coup, on va y aller prochainement. Parce que là, je pense qu'il va faire moins chaud d'ici les nouveaux jours. Donc, on va se motiver, puis on va y aller prochainement. Et j'ai récupéré mon tapis de bain. Et du coup, c'est un tapis de bain 100% PVC. 54 pour 54 cm. Donc, ça fera tout à fait son job dans la douche. En sachant que la douche, elle est nettoyée tous les jours au produit. À l'éponge et on gratte parce que sinon c'est dégueulasse et j'ai l'impression que de temps en temps on a des remontées d'égout. Donc j'en ai parlé à mon copain et j'y vais de temps en temps, ça arrive et je lui ai demandé si on pouvait nettoyer le tuyau d'évacuation, la douche. Et je pense que le produit, le rouleau pour mettre pour que l'eau elle s'évacue, il s'enlève. Donc j'aimerais bien mettre un petit coup de boomerang, vous savez, c'est les trucs pour évacuer les tuyaux. Peut-être que ça pourrait lui faire du bien. Et sinon, je mets un coup de javel. En général, ça part les mauvaises odeurs. Donc, moi, c'est comme ça, c'est la salle de bain. C'est partout pareil. Je l'ai payé combien? C'est la nature, écoutez. Pas toujours être parfait dans la vie. Alors, attendez. Tapis de douche. Je reprends un R8 hein, pour le diffuseur électrique. 3,59€. Ensuite, on a pris ça parce qu'on a enfin une machine. On a réquisitionné celle à mon père parce que, en général, il n'y a que le week-end, rarement chez lui. Et donc, du coup, on a réquisitionné ça. Machine à laver, on a repris des pods, on a pris solo Argel. Bon,
des pods 3 en 1. Couleur clean and fresh. Vous voulez prendre les plus petits trucs, les plus petits formats à un peu moins cher, mais c'est uniquement pour le blanc. Et nous, comme on met un peu tout, on a pris celui-ci. Donc, je ne dis pas de bêtises. 10,56€ pour combien de lavages? 7 lavages. Ça fera tout à fait son job. Par contre, pour la machine à laver, j'avais appris que si on mettait de la lessive liquide, il fallait de temps en temps mettre de l'adoucissant et du calgon pour éviter le calcaire. Ça, j'ai appris. Mais je les ai beaucoup plus prendre le jus de printemps et d'abord on mettra du calgon pour nettoyer la machine. Faut voir. Après, j'ai trouvé ça. Ah, c'est pas le CCM, c'est un chocomel. Chocolat noir. J'avais envie de le prendre deux. Mais j'ai dit, Steven, faut que tu fasses attention à ton argent. Et c'est vrai, j'ai un petit peu dépassé le budget. Pas énormément. J'avais envie de déjà 50 euros. Et j'ai dépassé de 5 euros. Donc, c'est pas très, très, très chiant. Et du coup, il faudrait que demain, on va à Action. Acheter un Tankerville. Peut-être pas demain, c'est ce qu'on aura quand même prévu. Mais il faut que prochainement on achète un Tankerville. Et à Action, ils en font 9 euros. Ça, c'est. J'ai posé la question tout à l'heure avec la cousine de mon copain. On a été avec elle pour une armoire. Mon copain a pris la armoire, tout ça. Et du coup, je lui ai demandé. Il va y en Action. Ah, combien? 9 euros. Ah, ok, c'est cool. Faut qu'on soit. Je suis encore. Un peu éparpillé, mais vous me connaissez maintenant. Hein. Et si vous êtes abonné, c'est normal, vous avez l'habitude. Et vous aimez. Du coup, je ferai un CCML. Ouais, mais c'est à coup. Je sais pas. On dirait que c'est la marque. Peut-être que le nom y a changé maintenant. Je fais des frotteux. Bon, c'est un chocolat noir. C'est marqué. Oh, non. C'est pas français. Dès que ça veut dire c'est belge. Faudra que je teste et je vous dirai si c'est bon. Je ferai une comparaison avec le CML. J'ai des petites briques chez moi. En petit format. Faudra que je compare. Voilà. On continue. Pour le lave-vaisselle, on va s'y mettre. On a pris ça. Un Sun. Sun liquide de rinçage. Attends. Genre, ce CCML, il coûtait combien? 1 euro. Chocomel. Dark, 1 litre. Le Sun. Classique. Et de rinçage. 2,50€. Voilà. Il ne manquera que le sel régénérant. On va peut-être demander à Marie si ça vaut le coup. Enfin, si elle veut me dépanner pour essayer. Voilà, on continue. On a pris de la tomate, la pupe de tomate pour faire de la bolognaise. Voilà, c'est très bon et ça fait toujours plaisir. Ouais, en réserve, on a acheté des steaks cachés. Enfin, j'ai acheté des steaks cachés, je vais prendre ça plus. On verra bien ce qu'il dit, on va faire fourrir. Pupe de tomate. Je ne dis pas de bêtises. Sauce 9 centimes. Mais là, il n'y a pas les sauces. Ouais. Bon, du coup, ça serait très bien. Il y avait un arrivage de ça, mais c'était le dernier produit. Donc, j'ai complété avec l'autre huile à paillettes. Voilà. C'est des petits trucs à paillettes. L'huile scintillante et était argentée et il y en avait une. Donc du coup on a besoin d'avoir 4 argentées. J'ai pris la troisième, enfin la dernière, la quatrième. Oh, or, voilà. Parce que il y avait des bourses qui avaient
pris un d'argenterie. Donc j'ai dit, oh, je vais pas me prendre la tête. Allez hop, je ferai très bien l'affaire. Donc du coup, bah, j'ai hâte de les tester. Et ça marche trop bien parce que j'ai déjà testé ça en or. J'ai des paquets en réserve. Et j'adore les paillettes. Donc ça fera tout à fait son job. Voilà. Attendez, je te le fais voir. Voilà, tout simplement. C'est de l'huile pailletée pour le corps. Nomad Life. Nomad Life. Huile sèche argentée. C'est vegan. Appliqué. Résultat, ça brille. Un fois 12 ml. Ah oui, d'accord. C'est très bien. 4 fois 12 ml. Donc 3 argentés et 1 or. Je sais pas, choix. Il n'y avait plus qu'or. Et il y avait une personne qui avait pris. Allez hop, pour se faire plaisir, j'ai payé ça. Le dernier. Du coup, bah, j'ai dû couper avec un or. Que voulez-vous? Alors. Moi, ouais, j'arrive à temps. Centimes, ça va, hein. Un centime pour 4 petits pochoirs, ça vaut le coup, hein. En plus, c'est du paleté, j'adore ça. Il m'a pris ce truc. J'ai pris celui-ci. Pour changer un petit peu, j'ai pris pure fraîche, stop odeur, plaisir d'agrumes et zeste de mandarine herbique. On va tester ça, c'est bon. Donc, le CQV est bien comme ça. Voilà. J'ai testé, j'ai hop, pour changer un petit peu, ça va faire. Un changement, c'est qu'à de le dire. Et là, c'est là, si il va pas, je pète un câble. Tu vois, tu mets comme ça, comme ça. Et bah, il est cassé. Je pense qu'il est cassé. Grand père. Ouais, bah. En fait, il est pas à fond dans le truc. Regardez. Là, ça fait ça. Et là, quand c'est comme ça. Oh. J'ai mis 9 minutes. On verra là si ça marche. Ouais, je mets comme ça. Ensuite, donc ça j'ai payé combien? 3 euros, mon fond. J'ai tenté un truc, j'attends. Quoi? Ça? Je vous ai pour. Dans 9 minutes, on verra bien. Ah! On testera. Testera. Si vous entendez le pitch, on verra du spray. Voilà. Après, on a pris. Excusez-moi, je digère. Des petits pick and croc. Version pâte à tartiner, grésin et poisson pêche. 1,25€, j'en ai pris 2. Ça dépanne. J'ai repris du spray nasal pour le nez, bien sûr. Mais je dégobe. Et tout. Et en général, je suis encombrée quand il fait chaud. Et qu'on a trop de poussière. Moi, parce que je fais le ménage tous les jours. Et je trouve que la maison, c'est moins salissant qu'un studio. Ah ouais? Ouais. Tu trouves pas que j'ai dernier mois ces derniers temps? Hein? Est-ce que j'ai dernier mois ces derniers temps? Bah ouais, pas des masses. Moi quand ça sent, bah. Tu trouves pas? Bah moi je trouve. Et du coup, bah. C'est toujours intéressant. On a. Ouais, attendez. Si c'était pas pris, Ginette, tu vas te demander quoi? Alors, 3 euros. Médicaments de santé. Médicaments de spray 2 euros. Ah, il est moins cher. Avant, il était à 3 euros. Oh, bah, je ne l'ai pas, la sentinelle. On a repris des petits biscuits apéritifs. Des petits bretzels. Piment. Voilà, ça, c'est pour mon cœur. Ok. Ah, ça marche! Ah ouais? Tu vois, comme quoi? Je pense que celui de Sejiman. J'ai appuyé moi-même. Hein. Et je pense que c'est des imams, il y avait une à défaut de fabrication. Parce qu'il faisait des biches dans le vent. Ouais. Donc du coup, bah, je m'en sers. Avec la main. Tant pis, ça
ça ne sera pas un spray automatique, ça sera un spray manuel. Bon, bah, je suis bien content, j'ai au moins ainsi que ça, j'ai une fortune acheter là, je vais au moins un sac 10 euros. Ah ouais, t'en souviens ? Non. Non, on va dire. Donc, les petits pretzels, il y a la penos. C'est 90 centimes. Et ça, ça coûte super cher, ça. Ça coûte. Combien ça peut coûter ? Je me rappelle plus, j'attends. Les produits-là, en avance. Ah, je ne sais plus. Oh, ça coûte cher, ça. C'est pas 3,50 €? Non, je sais plus du tout. En tout cas, je pense que ce genre, il faut les retrouver facilement. Carrefour à Mons au saveur du monde. Vous savez, ça, on peut les trouver facilement. Et c'est super cher. Ah, moi, je suis bien contente s'il marche au stylo. Je vais pas payer 3 € pour rien. On a. Ou bien, c'est la Smart, je sais. Ah ouais, peut-être que c'est la Smart. Comment est-ce que je vais acheter? En tout cas, ça ressemble beaucoup. On a appelé les Hot Buffalo Wings, comme ça. C'est la petite bagel. Trop trop bien, ça change un petit peu. Donc on a appelé Yana Penos, Hot Buffalo Wings. Ça a piqué. Et on a pris mon préféré. Oignon. Non. Oignon, miel, moutarde. C'est une moutarde en anglais, il faut que je traduise. Heureusement que je suis un peu bilingue. Donc 90 centimes chacun. Après, ça j'avais bien aimé. Bon, le vocabulaire, c'est ça, c'est pas très bonne qualité. C'est que la dernière fois, j'avais tombé sur un petit défaut de produit. Et je l'ai repris parce que j'aimais bien. C'était des Glide Touch and Fresh. Mon nom est Coco. Et ça, je me dis que si je le retrouve, c'est qu'il y a une raison. Ça va me faire rappeler mon appartement. Ou alors, c'est peut-être un signe que je veux retourner à mon appartement dans pas longtemps pour... débarrasser ce qu'il reste à faire, nettoyer et refaire la petite réveau. C'est peut-être un signe, ça. Il faut que je sois attentif. Du coup, ça c'est très pratique. En fait, c'est un diffuseur sans pile. Attends. Sans pile. Un petit truc et ça se met partout. Donc, limite, on pourra peut-être le mettre. Attends. Aux toilettes, salle de bain, petit coin, tout ça. Ça, c'est bien pratique. Ça, je vais le garder de côté. Parce que, entre les bâtonnets d'encens, les bougies, les sprays classiques, genre Sanitol, choupa chou, parce que j'ai actuellement, là que je le finis, c'est à la fraise et crème. Je l'ai retrouvé la majorité pour la sortie il n'y a pas très très longtemps. Et là, il y en avait encore à la Dona. Il y avait mangue, cola. Les classiques de la choupa choups et j'aime bien ces crème et fraises qui sont trop bons. Donc ça je vais la garder en backup, un petit spray ou connaître mon nez, ils sont trop bons. J'ai repris des cafés, tu vois, je sais pas, il nous reste un dans la voiture. Ah, il nous reste beaucoup, hein, des cafés comme ça, c'est bon ça. Excusez-moi, j'ai déjà monté acide. Comment ça se fait? Les sauces. Non. Peut-être, je sais pas. On a mangé un petit Burger King avant parce que j'avais faim. Et j'en ai mangé un signe, c'est pas lourd. Gina, café ice coffee. Non. Cappuccino. J'en ai pris deux parce que c'est super bon. Et après tout, c'est. Pépitas. Attends. Voilà, attends. Ouais. Alors, ensuite. Centimes, les cappuccinos c'est 1,39 €. Ah, c'est pas 1,25 €? Ah bah 1,39 €, écoutez. Il y a un truc à 1,25 €. Oh, c'est pas très cher. Pardon. 2 € le Glade Coco, mon oeil. Voilà, après on a pris ça. Merci beaucoup. Je sais que les bonbons comme ça, la marque, le paquet bleu, j'ai pas aimé. Pourtant, je suis fan. C'était à base de poudre de lait. J'ai goûté. Et au final, quand j'étais chez ma mère, j'en ai acheté 2 paquets parce que j'adorais ça. Et franchement, quand je les ai goûtés, j'étais un peu écœurée à la fin. Donc, poubelle. Donc là, je fais attention. Et là, ça m'intéressait. C'était des petits bonbons à la
barre de lait, saveur fraise en poudre. Donc à mon avis, je pourrais potentiellement aimer. Un coup de teste. Je vais prendre un paquet parce que je sais que le paquet bleu et blanc, je n'ai pas trop aimé, c'était nature. C'est pas top top. T'as vu, c'est bon. C'est très bon. Il marche. Alléluia. Par contre, je vais faire je vais pas le faire tous les 9 minutes parce que je devrais être. Je vais faire tout 30 minutes parce que le il est bizarre. Ça sent bon en vrai. Sans bonne ici. Oh, ça va arriver. Ça va le bouffer. Ouais, attention. Il ne se voit pas comment c'est ce que ça dit. Alors. Valeur pour 100 grammes de produit. C'est un paquet de combien? 100 grammes. Bah, il fait 332 mg de protéines 13, sucre 103. C'est pas très gras. 4% de matière grasse. Je vous testerai. Hein. Je vous en dirai des nouvelles. Bon, ça c'était combien? Je sais plus. 59 centimes. Ça, je les connais. Mais les bons cafés, ils sont super bons, ceux-là. Ah ouais? Il y a un bon café. Ouais, il est sans, mais dans la voiture, c'est excellent. Ouais, quand t'as envie de café, que t'as pas un café sous la main, ça peut encore passer. C'était bon, dur, et à l'intérieur, c'est mou en fait. C'est trop bon. Et ça a beaucoup de café au lit. Ah ouais? Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et ça, je pense que. Une fois, je l'avais trouvé quand j'étais chez mes parents. Et ils avaient adoré mes parents, du coup, ils m'avaient repris. En tout cas, ma mère. Et mon père, je sais plus, je m'en souviens plus. Bon, je pense aussi, parce que moi, dans ma famille, on est grand buveur de café. Donc, ceux-là, je les ai payés combien en... Alors, 1,10€. 1€ pour le bon café. Ouais, 30 grammes. Je qui vient celui-là. Il vient de. Je sais pas. San Martino di Lupard. Je sais pas du tout ce que ça vient. Bonbon dur au café fourré au centre saveur riche café. Délicieux bonbon dur à l'extérieur mais au cœur moelleux, arôme riche et intense, sans gluten, sans conservateur ajouté, sans gélatine. Ah ouais, tu sais pourquoi ils sont trop bons? Il y a du caramel nature, du lait concentré et du café. Mmh. Voilà pourquoi c'est un bon jour. Après, j'ai repris des fruits et là parce que ça c'est trop bon. Vegan, 3 paquets. Pommes, mûres, poire, fraises, framboises. Ça c'est trop bon. Alors il y avait un petit arrivage de produits qui m'intéressait. Et j'en ai sorti un, c'était celui-ci. Bomb corps zone sèche, cuir de carnauba, hydrate, nourrit, apaise et protège. Un petit truc comme ça. Et je vous dirais que là j'ai les mains sèches, donc je vais tester. Et là c'est un autre bomb corps body calm, body balm, zone sèche, cuir de carnauba, huile de coco. Et le vert c'est quoi? Pomme grenade. Donc ça m'intéressait parce que c'est un produit tout petit et c'est super pratique ce genre de produit. Yumi Provence, je ne connaissais pas. Et ça va, le produit bon, j'aime bien. J'ai ouvert celui-là. J'ai une marque sèche. C'est très grand. Ouais, ça va. Vite fait. Ça me dirait bien. Ça me dirait trop bien. C'est gros.
Sur après toi pour te. C'est bon. Ça marche trop bien. C'est nourrissant. C'est bien, ça c'est bien, c'est pour les tout petits coups, ça fait trop bien. Ouais, moi j'aime bien. Et j'ai pas payé ça des masses. Plastique, du combien? Ça doit partir très très vite, ça. C'est combien? Les vitamines E. Et ça doit être pas mal aussi, c'est pour les lèvres. C'est bien intéressant. Ça me dit pas c'est combien. Il y a un scan. Fabriqué en Provence. Ouais. 50 grammes chacun. Donc ça j'aime beaucoup. Le petit bleu, je l'ai pas testé. Mais ça j'aime beaucoup. C'est bien pratique pour alterner les crèmes. Et franchement, c'est zéro parfum. Ah oui, le bleu, là. Il y a zéro parfum. C'est bio. Et c'est vegan. Mais c'est pas pratique, ça pour emmener partout. Voilà, là, tu verras mieux. Voilà, voilà. Et j'ai pas payé ça, j'ai payé 1€ si je me trompe. 1€ les gens. Et le bio. Alors. Bon corps, ouais. 50 grammes. 1€. Franchement, ça vaut vraiment le point. Je tombe. Ça marche bien en plus. Hein. Ah ouais. Non, je trouve ça. Maman. Ah, je veux dire, t'as pas encore testé, je veux dire. Je sais pas quoi. T'as pas encore testé. Non. J'ai pris une Barilla vegan au soja. À peau. Parce que si j'aime pas comme les petites pâtes à cookies sneakers que j'ai trouvé chez Carrefour au noix de l'ancienne, j'en ai pris 2 paquets sneakers. Et franchement, je sais pas. Était trop en kiff. Puis que son aime bien, mais pas sneakers. Donc du coup, par maintenant, je prends 4 trucs. Voilà, sauf si c'est 2 si je connais bien et que j'aime bien, mais je sélectionne. Je peux pas tout avoir. Et ça va changer un petit peu ça. Donc, un petit faux poumon. On verra bien si j'aime bien. Mon chéri, il a pris un bocal de croque mini aux 6 épices et aromates. À moi. Voilà. Voilà. C'est une dernière prix. Ça va durer qu'un demi-heure. 2,29€. Et le Barilla sauce Lolo 1€. J'ai pris ça. Elles vont super bien ces couches-là. J'en ai mis. J'en mets pratiquement tous les jours. Je teste en ce moment le format norme long plus. Et là, c'est format nuit. Et elles sont vraiment trop bien. C'est très agréable à porter. C'est pas du tout. J'ai pas de fuite. Donc, c'est bien pour. Je prends ça pour les fuites urinaires. Et elles vont trop bien. J'ai 2 tailles. J'ai la taille normale plus et la taille non plus. Avec des aiguettes de protection pour maintenir dans la culotte. Et j'ai remarqué que c'est marqué partie arrière élargie. Confort 3D. Mais bon, trop bien. C'est vraiment une très bonne marque, ce produit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça vient de où? Je sais pas. Il y a des écritures arabes, ça c'est clair. 320 mm. Confort 3D. Attendez, hein, que je ne dis pas de bêtises. Canal supérieur sur banc, zone d'insertion 3D, forme anatomique, juste, fixe, ayette. C'est bien d'Algérie. Elle va super bien, je suis étonnée. Quand même, va bien, j'en ai pris. Donc, le deuxième trio top, ça c'est bon, on va tout offrir, on va se régaler. On a repris des pansements parce que je n'avais plus. Je sais pas où sont mes pansements. Donc, 10 pansements assortis hémostatiques. Voilà, je vous tiens les prix après. Des petits pansements. J'ai repris des mouchoirs parce que c'est la merde sans mouchoir. C'est pour ça que je suis chargée, je les ai tués.
je mouche encore, mais je couds, je fais moins éternuement. C'est déterminant. Donc ça, j'aime bien en avoir en réserve. Ou des mouchoirs classiques, les XL. Ils vont super bien, sinon. Ils sont vraiment, vraiment grands. Alors, après, j'ai repris mon produit fétiche. J'hésitais à trop prendre ça et la crème que je teste en ce moment. La Garnier Gel Crème Réparateur. Au chanvre. J'hésitais. Avec le baume bio lavande. Crème riche. Et j'hésitais aussi. Donc, j'ai sélectionné. Et j'ai pris la huile de chanvre. Franchement, ça tu payes ça. Une fois j'ai voulu la reprendre à Auchan en déstockage. Il y avait un rayon déstockage, tout ça. J'ai voulu la reprendre. Très très cher. Très très cher. Tu t'en souviens mon cœur de celle-là? Je voulais la reprendre. Ouais. Elle était à combien? Oh je sais plus, ça fait longtemps. C'est parce que c'était à base de 10 euros. Hein. Oh, pas loin, ouais, c'était cher. Ouais, j'ai. Oh, il abuse quand même. Et donc là, c'est quoi? C'est une huile pour la nuit. Visage aux graines de chanvre, 30 ml. Voilà, voilà, voilà. Et c'est top, top, top. J'ai adoré. Et franchement, j'ai été. Si je la reprends, c'est que vraiment, j'étais très intéressée. J'ai bien aimé le produit. Et je recommande à 100%. Par contre, le prix à Magic Depot, c'est beaucoup moins cher. Donc, je dis pas de bêtises. Alors, je vous dire ça. Owen Comfort 3D, 1,19€. Donc, c'est des couches. Les fruits, là, 1,09€. Garnier bio multi 5,90€ et il est au moins entre aux alentours de 10€ en prix normal. Ensuite, Kleenex mouchoir 1€. Ouais, donc le premier sac est fait. Je vais tout mettre dans la. Je vais mettre tout ça dans le sachet, bien sûr. C'est bien gentil, mais après, on regarde. Il y a encore un gros sac, mais ça va aller vite parce que c'est des gros volumes. Le sac, il se bat. Ah. Mon cœur, tu peux aller prendre un sac après. Ouais, ok. Ah, j'ai soif. J'ai pas bu. Un peu de sirop avec de l'eau. Alors, on a repris. Ma mère, ma belle-mère, de temps en temps, elle vient manger. En général, c'est de lundi. Et comme on la chouchoute, on lui fait à manger. Son assiette, elle est prête. Elle vient, elle mange tranquillement. Ah ouais? Ouais. Après, elle fait sa petite sieste. Mais. À début de l'année dernière, elle n'avait pas son petit rosé. C'est pas grave, je vous dirais. Vraiment, c'est pas grave, petit chat, t'inquiète pas. Là, on a pensé à un petit rosé. On a pris celui-ci. Jean-François, Mario, Pino Tonis. Voilà. Elle apprend qu'il est vers le midi, tout ça, ça va. J'ai pas que ça va lui plaire. Ça aime pas du rosé, toi? Bah ouais. Moi, j'aime pas ça, je vous dis. Voilà, un petit, une petite bouteille de rosé. Je l'ai payé trop cher. 2,59€. C'est vraiment cher. Et on a pris du Cotrex parce que là, il est vraiment pas cher. Voilà. Oh, petite, petite bouteille. 50 centilitres à 1,80€. Ouais, 1,80€. Trop trop cool. Ouais. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, si ça te plaît, c'est très bien. Donc, tu connais le chemin. Nous, les youtubeurs, on propose de s'abonner, de liker pour nous encourager. T'abonner
Pourquoi? Et bien tout simplement pour ne rien rater de mon contenu. Parce que moi je suis Tiffany Prévente et je sais regarder les beaux plans. Et comme on dit qu'il est beau plan, on dit Magie Dépôt. Parce que c'est moins cher. On était à deux nains, Magie Dépôt. Et il y en a un aussi à les Antinelles, près de Valenciennes. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires de manière constructive. Les trolls, je signale et je bloque, tout simplement. Moi, je suis ici dans la bienveillance. Voilà. On va vous laisser, on va les débarrasser, on va mettre notre rallye, on va regagner notre série, on va prendre un dessert. Et moi, je vais m'hydrater parce que j'ai soif. Tu n'as rien à rajouter? Bon, non. Ça t'a plu de la journée? Bon, non. Sous la pluie. Il y a un brush. Ah ouais. Ouais. Oh, de Jésus. Je suis fait attraper au niveau du maquillage et il y a deux enfants de ma copine, deux jeunes filles, qui va être très contente. Une pré-ado et une ado. Ouais, à peu près. Elle va être très très contente. Je suis bien contente d'avoir eu mes sous. Enfin, je vais pouvoir rembourser mes proches du Pop Zaco. Je voulais les avoir en 2024. Hein. J'ai eu, il n'y a pas très très longtemps. Hein. Parce que j'ai regardé et puis c'est bon. Enfin. Non, parce que quand on est sur curatelle, hein, c'est très compliqué. Hein. Ah ouais. Non, ouais. Une curatelle, c'est une personne soit de la famille ou en extérieur. Et moi, je choisis en extérieur, hors de ma famille, qui gère mon argent, mes papiers. Et. Et elle a mis mon budget plus tard. Elle a dû recevoir un billet, mais là ça va, j'ai les sous. Là je pourrais avoir mes proches, je suis bien contente. Je suis bien contente. Wow. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Il va faire 37 minutes que je. Ça fait déjà 37 minutes que je vais papoter avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Merci, tchuss.